de l'ASVEL face au leader actuel du championnat de Pro A, désormais seule équipe invaincue grâce à Antoine Rigaudeau. Pourtant, les Villeurbanais avaient débuté la partie sur un rythme endiablé avec un Ron Curry étourdissant, auteur de 39 points. Malgré France Roumanie, ça le comble à Villeurbanne qui enregistre le retour de Delaney Rudd. J'ai su très rapidement que ma blessure n'était pas grave. J'ai retrouvé 90% de mon potentiel. Alors, on va gagner. Et d'entrée, la preuve que Delaney va tout à fait bien. Son compère Ron Curry est immédiatement placé dans le sens de la marche. Vraiment un tandem extraordinaire. Dans cette première mi-temps, Cholet doit se mettre au diapason pour ne pas être décroché. Cholet, comme toujours, trouve son salut dans une défense de fer face au Diable Vert. L'ASVEL peut-elle tenir ce rythme? C'est la question à l'entame de la deuxième période et la réponse est oui, puisque Cholet, qui est mieux reparti, voit son avance fondre à coup d'interception de Ron Curry. Cholet qui encaisse même un 15-0 et peut-être sa première défaite de la saison. Lancé franc pour Curry, 77-74. Maintenant, seul un 3 points peut sauver Cholet. Eh bien, Antoine Rigaudeau le réussit. Prolongation, ambiance hystérique. Antoine Rigaudeau, numéro 4 de Cholet, meilleur joueur de l'Hexagone. Sa seule erreur, vous allez la voir, ici, il est intercepté. Cette fois, c'est certain, l'ASVEL va gagner puisqu'elle a 2 points d'avance à 9 secondes de la fin et que Beugnot a un truc pour neutraliser le meneur de jeu rouge. Secondes, quand le ballon quitte les mains de Damien Pastresse pour celle de Rigaudeau, bien sûr. Et voilà le travail, un tir extraordinaire à plus de 9 mètres. Exploit et cauchemar pour les Verts, battus 86-85.